おお、こんな星などいるものか。地球もろとも粉々に打ち砕いてくれるわ。受けられるものなら避けてみろ。貴様は助かっても地球は粉々だ。Yatazé. Non mais attendez, c'est énorme ce qu'on vient de voir là. Vous trouvez pas? Attendez, mais la première fois que j'ai vu ça, j'en avais des putains de frissons. J'étais euphorique. J'en pouvais plus là. Non, franchement, ça si c'est pas de la qualité incroyable, franchement je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'il vous faut là. Non, franchement, j'ai été bluffé, complètement ébloui par ces cinématiques-là de ce jeu qui est Dragon Ball Z Burst Limit. Ouais, juste Burst Limit, ouais, c'est tout. Parce que j'allais dire un ou deux, mais non. En fait, ils avaient prévu à la base de faire le deuxième, il me semble. Et du coup, ça ne s'est jamais fait. Parce que, comme vous aurez pu vous en douter, ou comme vous le savez, il n'a malheureusement pas reçu un très très bon accueil de la part des gens en général et aussi des fans, hein, il faut bien le dire. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors qu'il a l'air si bon? On comprend pas là? Je vais tenter de vous expliquer. Donc vous allez le voir normalement tout au long de cette vidéo. Alors, en attendant que je blablate un petit peu, je vais vous montrer visuellement les options. Pas besoin de commenter, c'est pas nécessaire. Parce que je veux quand même vous parler donc de la qualité graphique en fait et de l'histoire en fait. Parce que moi je vais vous dire un truc. Il n'y a aucun jeu DBZ qui m'a fait plus... plus d'effets en fait que le tout premier qui est sorti, enfin le tout premier, je parle pas du tout premier DBZ de toute l'histoire, hein. Je parle en fait du tout premier on va dire next gen sur GameCube. C'était Dragon Ball Z Budokai tout simplement, et en fait là le... Comment dire, c'était la première fois en fait qu'ils mettaient en scène des graphismes aussi bons. Une histoire en fait qui se rapprochait le plus de l'animé et du manga. Ça faisait un effet de dingue. Je veux dire, on n'avait jamais vu ça avant. Et au niveau de la mise en scène, des dialogues, tout ça c'était extrêmement bien fait. On n'avait jamais vu ça avant. Et en fait, ça allait de Raditz jusqu'à Cell. Il n'y avait pas tous les détails, mais ce qu'il y avait surtout, c'est qu'il y avait les détails nécessaires. Il y avait les détails utiles. Et donc, quand je voyais ça, il y a des moments, même vers la fin, quand il se bat carrément contre Cell, Sangohan, et j'en avais presque les larmes aux yeux. J'avais tellement le frisson, les poils hérissés, que
que c'était tellement beau, en plus avec la musique qui allait avec, c'était un univers complet. Et pourtant, je vais vous dire, le jeu il a dû sortir vers, je sais pas moi, 2002, je vous en ferai peut-être une vidéo un jour, je ne sais pas, comme ça je vous en parlerai un peu mieux. Mais, que dire, en fait c'est un jeu qui est sorti en 2002 et pourtant, il a des graphismes. Je dis pas qu'ils sont exceptionnels non plus, je veux dire, voilà, sinon ça se serait su quand même, mais c'est des graphismes qui sont très très corrects, très bons, et franchement, même aujourd'hui, en revoyant, je suis sûr que ça me déplairait pas, et que j'aurais toujours le même effet. Après, est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que c'est parce que c'est le premier jeu que j'ai vu comme ça, que du coup je me dis, oh bah voilà, alors c'est lui la référence, et aucun autre ne pourra l'égaler parce que tous les autres, ils n'ont pas les détails qu'il faut, ils n'ont pas la mise en scène qu'il faut, ils n'ont pas les passages qu'il faut. C'est possible, je l'avoue, c'est possible. Et d'ailleurs, ça doit être comme ça pour beaucoup d'autres jeux. Des fois, on s'en rend même pas compte. Et voilà. Donc, en fait, dans celui-ci, voilà, là, ils avaient l'opportunité en fait de faire exactement pareil. Et quand j'ai vu les teasers de ce jeu, que j'ai vu à quel point les graphismes étaient bien faits, tiens, bah, je vais vous faire un petit combat entraînement pour vous voyez comment ça se déroule à peu près pendant que je blabate encore un petit peu. Après je vous expliquerai plus en détail comment les touches en fait, comment on se bat et tout ça. Donc, je vais prendre les deux meilleurs amis. Donc là je choisis simplement mes soutiens, je pense que je vous en parlerai, ou alors je vous en parle maintenant, comme ça ce sera fait. On a des soutiens en fait qu'on peut prendre, mais je crois que je les utilise jamais, ou alors je sais plus les utiliser. Et chaque soutien a une technique particulière, donc on peut choisir, on les acquiert plutôt. Plus on avance, plus on en acquiert davantage, voilà. Là, je peux en choisir. Voilà, 3 par personnage. Voilà, c'est ça. C'est à dire qu'en fait, il peut apparaître 3 fois en faisant 3 actions différentes. Tout dépend de ce qu'on choisit. Ça peut être des actions défensives, offensives ou je sais plus. Il semble qu'il y avait une troisième catégorie, mais ou simplement, ouais, non, je sais pas. Pour augmenter l'énergie ou un truc comme ça. Oui, je vais prendre Krillin ou Krillin. Tout dépend. Donc je vous disais, oui, que celui-ci en fait, ce jeu, il avait vraiment l'opportunité en fait de faire en fait comme son prédécesseur de il y a déjà bien longtemps. Hein. Parce que lui il est sorti en 2008 et il aurait pu en fait, je dis pas qu'il l'a pas fait, parce que c'est certainement l'histoire et ses graphismes, c'est certainement ses points forts, ses plus gros points forts en fait. C'est peut-être ça qui remonte le jeu, qui en a fait tout de même un bon jeu. Et qui voilà, donc. Mais, pourquoi il n'est pas totalement à la hauteur? Eh bien, c'est parce qu'il y a déjà l'histoire. En fait. Voilà, dans celui que je vous dis sur GameCube, l'histoire, en fait, elle n'est pas redondante. Elle est bien faite. Il y a les bons passages, les bons dialogues. Et voilà, c'est vraiment très fidèle. Alors, attendez, je vais peut-être le mettre... qui m'attaque, sinon ce sera pas super. Position par... Non! Ah, je sais même plus. Si, c'est paramètre entraînement, paramètre IA. Voilà. Attaque type 2, combat. Voilà, combat. Comme ça, il m'attaque. Ce sera plus intéressant à regarder. Qu'est-ce que je disais? Oui, que ben, le premier, voilà, c'était pas redondant dans son histoire. Il était vraiment très fidèle à l'original. Alors que là, j'ai eu quelques petites déceptions, même pas mal. C'est parce que il y a certains passages très importants de la saga Dragon Ball Z qui ne sont pas présents. Ou alors, certains passages, en fait, qui ressemblent à d'autres. En fait, c'est des phases de combat. Au lieu de faire différentes phases de combat qui ne se ressemblent pas, je sais pas, qui foutent des coups différemment,
Parfois, les personnages sont différents, mais ils se foutent exactement les mêmes coups. En gros, en fait, ils ont choisi exactement les mêmes scènes, ils ont simplement remplacé l'endroit où ils sont et les personnages. Mais ce qu'ils font des fois, mais je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ou si dans ce que je vais vous montrer, vous allez le voir. Mais c'est... Je trouve ça complètement débile, surtout qu'en plus, le jeu, on peut pas dire qu'il a un contenu exceptionnel. Donc pourquoi avoir fait ça? Donc là, une petite... voilà, j'en profite pour vous en parler. En fait, quand... quand il y a certaines cinématiques en fait qui peuvent se déclencher pendant un combat en fonction de ce qui est fait. Et ça, c'est particulièrement bien dans l'histoire, puisque en fonction de ce qu'on fait, si ça correspond à l'histoire originale du manga, eh ben ça se fait. Il y a une cinématique en fait qui s'enclenche correspondant à l'anime ou au manga. Voilà, donc c'est un truc qui fait pour être bien fidèle et c'est bien sympa de l'avoir. Mais voilà, à part ça, il y a des trucs qui manquent. Voilà, j'ai été déçu. Bon, après, comme vous avez vu au début, la mise en scène, elle est géniale, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est ces passages-là, heureusement qu'ils ont fait des bonnes cinématiques pour ces moments clés. Parce que là, franchement, je... Il n'y aurait eu aucun intérêt en fait dans le jeu, c'est vraiment ce qui le sauve. Et moi, je vais vous en montrer d'autres, deux autres il me semble, mises en scène comme celle-ci qui sont vraiment, vraiment super bien faites. Et que quand j'y revois, que je mets le home cinéma et que j'écoute ça, ça m'éblouit, ça me remet l'arme à l'œil, ça me met le frisson, mais j'en ai pas eu assez. Voilà. J'en ai pas eu assez, même si au niveau graphisme, voilà, ils ont été... Ils ont vraiment mis le paquet là-dessus, ben voilà. Donc un gros point fort là-dessus pour ce jeu, mais aussi un gros point faible parce qu'ils ont pas mis tout en avant. Et ça c'est bien dommage. Bon allez, je vous en parlerai peut-être, je continuerai à en parler dans la suite, mais là je vais vous montrer donc un petit peu ce qui est possible de faire dans un combat. Alors on peut, je pense que vous avez vu, on peut faire donc simplement un Kamehameha comme ça qui est assez simplifié. C'est-à-dire que comme vous voyez la touche en bas à gauche, regardez je le refais. C'est rond plus à droite qui nous permet de faire un Kamehameha. Donc bon, lui il fait des Kenzam, ça dépend des personnages bien sûr. Normalement en faisant rond plus en arrière il doit faire une autre attaque. Ah oui il allait la faire, c'est une projection. On peut la faire aussi pendant qu'on se combat. Hop là derrière et bim il fait une espèce de projection comme ça. Et l'attaque ultime c'est... Attendez, est-ce qu'on peut faire en bas plus rond? Je crois pas, on va voir. Attendez, là. Ah, ça c'est impossible là. Ah, si on peut se téléporter. Tiens, bah voilà, il y a mon soutien, en fait, il voit que je suis en train de me faire laminer, donc il vient m'aider. Voilà. En bas plus rond, non, ça fait rien, ça envoie simplement un cuco. Par contre, on peut faire en haut plus rond, c'est l'attaque ultime. Voilà, on peut configurer et qui change en fonction des personnages. Et la particularité, c'est qu'en fait, on regardez, la Kamehameha, là, je peux les enchaîner. Hein. Là, je peux les enchaîner, il n'y a pas de souci. Ah, alors ça, c'est un truc, en fait, dès qu'ils arrivent à un certain point de la map, dès qu'ils sont projetés à certains endroits, il y a une cinématique qui se déclenche et comme ça on peut se battre dans le ciel. Voilà. Donc ça c'est assez sympa. Regardez tout au fond, on voit la tour Karine, enfin on la voyait, comme on était incliné. C'est marrant, des petits détails comme ça. Bon, les maps, voilà, on va en parler, elles sont pas très très grandes. Donc ça c'est aussi un défaut. Il faut dire, de toute façon ce jeu, je l'ai bien aimé parce que je suis pas trop difficile, mais en même temps, il manque des trucs. Il manquait des choses. Et du coup, ben... Il y a plein de petits détails comme ça, que par exemple les maps elles sont pas super bien cherchées ou alors qu'elles sont pas super grandes, qui descend le jeu. Voilà. Alors lui là, comme vous avez vu, il s'est mis en... Alors attendez, c'est en mode furie, on peut dire ça, moi je vais me mettre, voilà. Et en mode furie, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, on peut se télé... Mince, moi je viens de me transformer, voilà, je vais me transformer en Kaioken. On peut en fait... Alors attendez, là je viens de faire une projection, c'est en appuyant sur R1. Attendez, comment on fait déjà? Normalement quand t'es en mode... Ah non mais j'y suis plus là. Voilà. On peut appuyer sur une touche directionnelle et appuyer sur L1 et voilà on se téléporte. Derrière comme ça. Ça c'est sympa. Mais aussi... Ah oui attendez, j'étais en train de vous parler du KI, donc de l'énergie. En fait elle remonte très très rapidement. Allez, je peux enchaîner les Kamehameha comme je veux. Je peux les charger, les Kamehameha, voilà, en laissant appuyer. Ah tiens, ce serait bien que je puisse vous montrer deux Kamehameha qui s'entrechoquent. Mais ça, on le fera après, je pense. Ouais, donc ça augmente assez vite. Ah, ah! Oh non, j'ai fait ma super attaque, et du coup, c'était pas bon.
Bon, c'est pas grave. Je vais me transformer donc en mode furie, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Attendez, voilà. On peut donc, quand on me projette et qu'on appuie sur L2... Attendez, faut que je réussisse à le projeter. Attendez. Voilà. Et là, il fait une sorte de poursuite. Et en fait, là, on doit bourriner toutes les touches. Et on a à une certaine barre. Si nous, on se fait avoir, il nous contre tout simplement. Donc, c'est-à-dire si sa barre elle nous a totalement pris la place. Si ça arrive au milieu, il y a simplement un contre. Et comme il vient de se passer là, quand je l'ai eu, je lui inflige des gros dégâts. Et si on est en l'air, comme vous voyez, il repart en bas. Et si on était en bas, on allait aller en haut. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire en étant comme ça. En étant en furie. On peut se transformer avec R1, comme je l'ai fait pour me transformer en Kaioken. Et sinon, vous savez à peu près tout. Là, je viens de me téléporter en appuyant sur la touche de garde, c'est-à-dire croix au bon moment. On peut envoyer des Kikoa avec rond. On peut faire des coups de poing avec triangle et carré. Voilà, mais avec les enchaînements, ça utilisera les pieds. Et sinon, je vois rien d'autre que je pourrais vous expliquer. La garde, ça, c'est aussi R2. Et sinon, voilà. Et L2, ça fait quoi déjà? Attendez, ça se relève. Ah oui, ça fait une projection comme ça, voilà. Tout simplement, donc je vais partir de là. Menu principal, voilà. Alors en plus du fait que les maps sont assez petites, il y a aussi le fait que l'histoire ne va pas très très loin, parce qu'elle va seulement jusqu'à celle. Pour ça, je vous dis, ça ressemble aussi carrément à celui dont je vous parlais, c'est parce qu'il va aussi jusqu'à celle, celui sur GameCube, et que je me dis, mais vraiment, alors lui, en fait voilà, quand je l'ai acheté, je me suis dit, lui, c'est vraiment en fait celui qui va, la nouvelle génération de celui qui est sorti sur GameCube. Ah, ça va être aussi bien. Mais le problème, c'est que là, on est à une époque totalement différente, on est 6 ans après. Et s'ils n'arrivent pas à proposer un peu plus de contenu, c'est quand même dommage. Comme je vous disais, au niveau de l'histoire, ils n'ont pas... Bah, ils n'ont pas mis assez de détails, et ils ont fait des trucs redondants en plus. Et voilà, donc déjà, ça va pas loin dans l'histoire. En plus, au niveau des personnages, ils sont pas très nombreux non plus. C'est maigre en fait, c'est vraiment maigre pour un jeu qui sort pour cette année là, voilà, c'est dommage. Je vais vous montrer un tout petit didaxiel, par exemple pour se transformer, tiens, voilà, on va faire ça, pour vous montrer à peu près comment c'est fait, donc c'est pas mal, il n'y en a pas beaucoup, comme ça au moins c'est pas chiant, il montre à peu près l'essentiel. Ce qui est bien, c'est que on a une phase, en fait, des moments quand ça devient trop compliqué, il nous montre vraiment comment faire. Parce que d'habitude, dans les didacticiels, faut que j'arrête de dire didaxiel, parce qu'en fait c'est didacticiel. Dans les didacticiels de comment ça s'appelle, des Dragon Ball Z en général, c'est tellement complexe, ou des fois c'est tellement mal expliqué, que on passe je sais pas combien de temps dans le didacticiel à essayer de refaire la même manipulation et ça marche pas. Alors là, il nous montre quand même comment faire et c'est un peu plus simple au cas où. Donc là, je passe. Il nous montre, voilà, bien en plus avec les touches. Et franchement, là, c'est bien expliqué. Là, il n'y a pas de souci. Franchement, je vais vous dire, les points forts, c'est la technique, c'est l'explication, c'est les graphismes, la mise en scène. Franchement, là-dessus, même s'il en manque, je parlais au niveau de la mise en scène, franchement, celle qui est faite, au moins, elle est bien faite. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. En fait, c'est des choses qui manquent. Parce que tout ce qu'ils ont fait, en fait, ils l'ont bien fait. Si vous regardez les combats, quand je me tape et tout ça, il y a des petits effets à chaque fois qu'on tape. C'est assez marrant. Oui, je vous ai pas montré aussi, quand on se fait frapper, on peut laisser appuyer sur... Enfin, pas laisser appuyer, on fait des petits à-coups sur croix et il esquive. Donc ça, c'est pas mal. Mais vous voyez, enfin, je veux dire, même en combat, regardez, c'est vraiment beau. Regardez quand il est transformé. Et là, quand je vais me transformer, par exemple... Ah, c'est très beau. Moi, ça m'a toujours impressionné, les techniques, tout ça. En parlant de technique, je vous ai montré tout à l'heure une super technique. Et là, je vais vous faire une référence à un autre Budokai, le Budokai 3. Et pour moi, c'est une référence au niveau des techniques, celui-ci. Parce que, en fait, c'était bien fait. Et en plus, quand on faisait des attaques ultimes, il y avait carrément presque des cinématiques et ça durait au moins plus de 20 secondes chaque cinématique d'attaque ultime. Et ça, c'est vraiment des trucs que j'adore. Ça peut faire gamin, je veux dire, d'aimer des trucs comme ça et pas plutôt se fier au gameplay ou pas plutôt se fier au contenu.
Parce que c'est vrai que moi, bon, comme je vous dis, j'ai jamais été bien compliqué. Mais j'arrive à un moment là où, à force de jouer, je commence à regarder ces aspects-là. Mais avant, j'étais plus, je veux dire, si je m'éclatais, tant mieux. Si j'en prenais plein les mirettes, tant mieux. Et j'ai encore cet aspect-là aujourd'hui. Et malheureusement, comme vous voyez, l'attaque ultime, c'était simplement un Kamehameha. Bon, des fois on voit une toute petite cinématique où le personnage il se fait avoir, mais voilà, c'est parfois il peut y avoir des techniques qui changent et c'est les mêmes cinématiques qu'on revoit. Donc là encore, voilà, dans ce jeu, c'est une redondance perpétuelle qui est très désagréable. Voilà, c'est très désagréable. On a l'impression qu'on se fout presque de notre gueule, quoi, parce qu'on nous refourgue les mêmes trucs. Et on n'a pas l'impression de vivre pleinement l'histoire de Dragon Ball Z. On est plus en train de vivre l'histoire, mais avec des choses qui se ressemblent. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Oui, donc au niveau des techniques, c'est dommage parce que dans celui-ci, voilà, on voit le plus souvent la même chose et c'est pas très impressionnant. Alors que dans Dragon Ball Z Budokai 3, c'est impressionnant. Et aussi la facilité, parce que comme vous voyez, c'est assez simple de faire les techniques en haut plus rond, à droite plus rond. Alors que dans l'autre, on était plus content en fait de les faire parce que c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait se mettre en mode furie, il fallait bien placer le truc, et l'autre pouvait le parer assez facilement. Donc quand on le faisait, on était bien content. Et donc il y a cet aspect aussi de facilité. Voilà, il a plein de petits défauts, c'est des petits défauts. Voilà, c'est pas des trucs, oh putain, le gameplay c'est injouable, ou alors je sais pas moi, l'univers n'est pas du tout, je veux dire, si l'univers de Dragon Ball Z n'était pas du tout respecté, c'était pas la peine. Ça aurait été un énorme défaut aussi. Et là, il est bien respecté. Donc, y a pas de problème. Voilà, c'est que des petits défauts. Mais un petit défaut, plus un petit défaut, plus un autre petit défaut, ça casse tout. C'est dommage. Là, ils ont mis l'aspect sur en prendre plein les mirettes. La plupart du temps, c'est vrai. Les gosses, comme moi, quand j'ai eu le jeu, je veux dire, comme je vous disais, je faisais pas trop attention à ça. Et forcément, moi, j'étais ébahi, j'étais tout content de voir ça, et bon, voilà. Je vais vous faire un petit truc, ça c'est des espèces d'épreuves, j'en ai pas beaucoup faites, mais voilà, Sagabé apparemment, j'ai aucun record, donc je vais le faire là, en attendant. Voilà, les petits défauts par petits défauts, c'est dommage qu'on en arrive là. Ah bah tiens, je vais vous montrer les personnages qu'on peut avoir, donc Sangoku, Krilin, Piccolo... Sangohan petit, Sangohan ado, on n'a pas le... Voilà, comme ça va pas plus loin, je veux dire, si ça va pas loin dans l'histoire, on peut pas avoir des personnages très diversifiés, quand on peut pas avoir le Sangohan adulte. Tenshihan, Yamcha, Raditz, Saibaman, Nappa, Vegeta, tous les plus connus. Voilà, par exemple, le commando Ginyu, on a quoi? On a Ginyu et on a Rikoum. On n'a pas Jis, Barta et Gildo. Il me semble que je suis pas trompé, hein. Désolé pour les fans, s'il y en a. Trunk, C16, C17, voilà, on n'a même pas Dr. Gero, on n'a pas C19. Parce que ça va... ça va assez loin. Voilà, par exemple. Là, ça va jusqu'à la saga des cyborgs avec Cell. Et regardez, on n'a même pas C19. On n'a même pas Dr. Gero. C'est quoi, ce bordel? Ils auraient pu nous le mettre, quand même. À la place de ça, on se tape un vulgaire Cyberman. Ça, on aurait pu s'en passer, franchement. Même pas Shaozu non plus. Bon, ça encore, c'est pas trop grave. Mais quand même, avoir la saga des... voilà, la saga des cyborgs et ne pas en avoir la moitié, ça fait mal. Hein. Là, je vais me prendre Broly. Voilà. Pour la petite anecdote, je me suis pris le Dragon Ball Z Ranging Blast 2. Dont je vous ferai peut-être une vidéo du 1, parce que le 2 je ne l'ai plus, voilà. C'est simplement pour vous dire en fait que les Dragon Ball Z, moi je les achetais à peu près tous, mais là le Ranging Blast 2, je l'ai revendu parce que c'est que du commercial. Maintenant ils nous vendent des trucs parce que ça se vend, voilà, la licence Dragon Ball Z, ça se vend, alors du coup on fait des trucs basiques et on se fout le cul. Ça c'est dommage, voilà. Il y a aussi un manque de passion. Un truc qu'on voit plus. Ils ont plus la passion, j'ai l'impression. C'est juste des trucs, voilà, fait comme ça. Ça marche, alors on fait des trucs basiques. Et puis voilà. Ça c'est dommage. Mais pourquoi?
On aimerait bien que la saga Dragon Ball Z ne meure pas, qu'on voit qu'elle a encore plein de ressources, qu'au moins ils exploitent à fond les nouvelles technologies pour nous proposer des trucs incroyables et vraiment qui ont de l'intérêt et qui suscitent encore vraiment la petite étincelle dans le cœur de tous les fans des Dragon Ball Z, et qu'au moins on prenne plaisir à y jouer, qu'on profite de ces nouvelles technologies pour que ce soit même encore plus immersif, qu'on revive complètement la saga dans le jeu. Mais non, moi franchement je vais vous dire un truc, quand je voyais le truc par exemple sur GameCube, à quel point c'était bien fait et que c'était détaillé dans l'histoire, je me disais, oh là là, attendez, quand on va arriver, même dans 10 ans, mais alors on va avoir de ces jeux, ils vont être super bien faits, ça va être détaillé, on va avoir tout le manga dans un seul jeu vidéo. Et ça va être fait avec passion, et on va revivre complètement le truc, ça va être incroyable, en plus ce sera bien fait. Et ben malheureusement non. Ils ont plus la passion, et en fait ce qu'ils font, ben, c'est qu'ils partagent en fait. C'est soit bien fait, et on n'a rien comme contenu, soit on a plein comme contenu, mais c'est maigre en ce qui concerne la fidélité à l'univers. Et au divertissement, tout simplement, parce que c'est pas très divertissant quand on a du contenu mais qu'il est pas bien mis en place. Voilà. Je sais pas. Quand je vois les jeux Dragon Ball Z, Ranging Blast 2, comme je vous dis, qui sont... Attendez, mais c'est incroyable. C'est juste des combats. On avait même pas d'histoire, c'est du foutage de gueule. J'ai pris le jeu, je me suis dit, mais attendez, il n'y a même pas de cinématique, il n'y a même pas d'histoire, ils ne reprenaient même pas l'histoire originale. Bon, ils auraient pu ne pas reprendre l'histoire originale et nous proposer une histoire totalement différente, comme ils aiment bien faire d'habitude. Mais là, rien du tout. Attendez, là, je vais quitter parce que sinon, je vais y passer un temps fou. Mais... C'est dommage, franchement, je pensais pas, je le descends pas, enfin, là en fait non, je suis pas en train de descendre ce jeu, je suis en train de descendre en fait les jeux actuels. Et je suis pas, enfin je suis en colère quelque part, mais je suis triste quelque part d'autre. Parce que bon, je suis pas un fan à contester de l'univers Dragon Ball Z, mais j'aime beaucoup, et ça m'attriste de voir que c'est en train de mourir à petit feu. On n'a plus que des jeux sans passion et que, ben, voilà. Bon, c'est dommage. Alors, le deux joueurs, c'est comme d'hab, hein, on a simplement le combat en ligne, IA contre IA, hein, deux joueurs ou contre l'IA, tout simplement. Donc, je vais pas vous faire des combats, vous en avez déjà pas mal vu. Maintenant, j'avais de montrer des trucs qui sont un peu plus... De toute façon, je vous ai tout montré, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de... Regardez, il n'y a même pas de tournoi. D'ailleurs, dans les premiers jeux, quand il y avait des tournois, je trouvais qu'ils étaient vraiment bien. Il y avait encore une fois des détails en fait qui faisaient plaisir. Et là, dans les jeux récents, quand ils font des tournois, c'est des simples tournois. Voilà, même pas d'animation, rien du tout. C'est limite qu'il y a un présentateur ou qu'ils expliquent. C'est voilà. Et là, dans celui-ci, il n'y en a même pas. Bon. Mais la plupart du truc reste encore dans Chronic Z. Alors qu'est-ce que Chronic Z ? C'est tout simplement l'histoire. Nous avons trois sagas. La saga des Saiyans, c'est-à-dire avec Raditz. Attendez, j'y viens. Voilà. Le combat Raditz, tout ça, Nappa, Vegeta. Comme là, celui-ci, c'est celui que je vous ai montré au tout début. Nous avons la saga de Freezer que nous ferons tout à la fin, je pense. Voilà. Enfin, que nous ferons le dernier combat tout à la fin qui est celui-ci. On terminera par ça parce qu'après, il y a une musique qui est la musique du thème principal et j'aimerais bien vous la faire écouter quand même. D'ailleurs, en parlant des musiques, parce que j'en ai pas encore parlé. Attendez, je finis juste. Là, il y a la saga de Cell. Voilà. Donc, je vais vous faire le combat pendant que j'y suis. Et je vous laisserai apprécier la cinématique finale. Ah oui, parce que là, vous voyez Broly, vous devez pas comprendre. Non, c'est parce que dans les sagas, ils ont mis des trucs annexes. Mais bon, voilà, c'est que des combats, il n'y a pas vraiment de cinématique non plus, ou alors c'est très redondant. Mais bon, je vais pas faire de la redite. Donc là, oui, je vais vous mettre le combat, voilà, celui-ci, là. Et je vous laisserai apprécier la cinématique finale. Parce que c'est comme la cinématique quand vous avez atterri dans cette vidéo que vous avez vue. Et c'est justement, comme je vous ai dit, il y en a trois. Pour moi, il y en a trois. Il y a trois moments clés. Celui que je vous ai montré, celui-ci. Et celui que je vous montrerai tout à la fin, c'est vraiment ceux qui ont été exploités jusqu'au bout, autant graphiquement que
techniquement, que musicalement, que ambiance, ça se dit pas ambiancement, mais qu'au niveau de l'ambiance. Et voilà, donc j'ai envie de vous en faire au moins profiter plutôt que de vous avoir rien montré. Voilà. Je vais mettre en très facile. Non. Peut-être un petit peu de challenge, on va mettre en normal. Voilà. Donc je vous parlais des musiques. Alors les musiques. Comme vous le savez certainement, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas les droits à part au Japon, il me semble, donc d'avoir les musiques originales. Donc. Ils nous font des musiques en fait qui se rapprochent le plus possible des musiques rock. Et bien que beaucoup critiquent, moi j'aime bien. Il y a des moments, je me retrouve même sur internet à m'écouter, à me faire des sessions en fait carrément de musique de Dragon Ball Z, des génériques, des openings, des jeux vidéo parce que ils sont vraiment bons. Moi j'ai trouvé vraiment bons. D'ailleurs, je dois dire un truc, c'est que la plupart du temps, on ne les apprécie pas dès la première écoute. Ça, j'ai remarqué. Les premiers, ça allait, on les appréciait bien. Après, c'était un petit peu plus compliqué. Mais à force de les écouter, ben, je les appréciais plutôt bien. Voilà. Mais c'est des musiques japonaises, la plupart du temps, ou anglaises. Et c'est du rock, quoi. C'est bien la sauce rock, comme on le connaît. Alors, attendez, faut que je me concentre quand même. Mais je vais essayer de vous parler en même temps. Si je vois que j'y arrive pas, c'est pas grave, je baisserai le niveau. Oula, il me projette. Attention, il va falloir que j'appuie sur les touches. C'est parti! Ouais, c'est bon, là, je le bousille, là. Je crois que c'est bon, hein. Ouais, c'est bon, je l'ai contré. Ouais, donc... C'est quand même correct. Par contre, c'est vrai que pour les fans, eh ben, ça fait chier. Ça fait chier qu'on n'ait pas les musiques originales. Ça, c'est sûr. C'est vraiment dommage. Mais moi, ça n'empêche pas que je les trouve bonnes. Et du coup, en fait, tout à la fin de la vidéo, je vous laisserai avec la cinématique finale. Et la musique, donc au final aussi du jeu, et comme ça vous pourrez apprécier un peu un teaser. Putain, là je me débrouille comme une merde là. Hein. Il va falloir peut-être que c'est la technique ultime. Voilà, ce qui se la prendra. Ah non, il se protège. Ah, quoique c'est bien, il est pas mal. Ouais, donc comme ça vous pourrez apprécier. Bon, je crois que je vous en ai déjà bien parlé. Maintenant on va se concentrer. Alors, ah, c'est dommage, il se protège pas mal. On peut lui casser sa garde. Là, je vais me mettre comme ça, je vais essayer de le projeter. Allez. Oh, je fais n'importe quoi, je tape dans le vide, moi. Voilà. Allez, comme ça, je vais peut-être la voir. Comme ça, je l'emmènerai dans le ciel, ça lui enlèvera pas mal de dégâts. Vous devez entendre les touches, là. Voilà. Ça, c'est sympa, aussi. C'est bien fait. Alors, les cinématiques aussi qu'on peut avoir pendant les combats qui peuvent se déclencher. Moi, je vous disais que c'était bien parce que ça pouvait redonner de l'intérêt et montrer que vraiment ils font bien référence à la saga. Mais beaucoup ont critiqué du fait que ça cassait l'ambiance en fait, du combat. Vous voyez, là on est en train de combattre, on est à fond, et puis d'un coup il y a une cinématique qui se déclenche. Et ça, ben, pour certains, et j'avoue que parfois, je veux dire, quand je refais le jeu surtout, on peut pas les passer. Et ça, c'est... Ça devient chiant, surtout quand elles sont longues. Moi, j'aime bien les cinématiques longues, mais voilà, celles-ci, surtout qu'on peut pas les passer, c'est plutôt chiant, quoi, en fait. C'est plus chiant qu'autre chose. Là, j'aimerais bien qu'il fasse un rayon en même temps que je fasse mon caméra comme ça, mais bon, apparemment, il veut pas. Il veut faire la super attaque. Ouf, c'est bon. Ah voilà. Exemple d'une petite cinématique qu'on peut voir. Et bah là, par exemple, je l'ai fait avec Sangohan Ado. Mais si, par exemple, j'avais réussi la super attaque avec Sangoku tout à l'heure, ça aurait fait exactement la même cinématique. Donc là, je sais pas, je vais essayer de l'avoir en... Ah tiens, c'était pas voulu. Bon, je l'ai eu. Voilà. Donc là, je vous laisse avec la cinématique. Samurai!
Ah, c'est vraiment magnifique. Mais moi, je me prends mon pied à chaque fois que je vois des trucs comme ça. Ah, attendez, je passe. Parce qu'en fait, ça, c'était la musique, mais ils l'ont fait en anglaise. En anglais, plutôt. Je l'aime pas trop en anglais. Donc, je vous montrerai plutôt la version japonaise. Ouais, c'est fabuleux. Et le truc, en fait, c'est qu'ils ont réussi à faire des graphismes magnifiques tout en respectant les traits habituels de Akira Toriyama, donc le dessinateur de Dragon Ball Z. Tous les traits, en fait, des personnages habituels. En fait, ils auraient pu faire un truc super réaliste et que du coup, ben, ça ressemble plus trop à l'anime original. Or là, ça fait réaliste, mais en même temps, ça respecte. Donc franchement, là-dessus, je vous dis, au niveau des graphismes, pour moi, c'est 10 sur 10. Hein. Ils ont fait ce qu'il fallait et il n'y a pas de problème. Au niveau de l'ambiance sonore aussi, les bruitages, je vous en ai pas parlé encore, mais les bruitages, ça, bien évidemment, dans tous les jeux Dragon Ball Z, normalement, ça respecte. Il y a tous les fameux bruitages, par exemple, quand ils bougent leurs bras, les... ces genres de trucs-là, comme ça, c'est typique à Dragon Ball Z et que, heureusement, ils gardent. Je veux dire, ce serait comme enlever le bruit des rings dans Sonic. Ce serait comme enlever le bruit des pièces dans Mario. C'est des genres de trucs qu'il faut pas enlever, quoi. Voilà. Alors, pour finir, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo extrêmement longue, déjà d'une parce qu'elle serait pas très intéressante, et de deux parce que y a pas énormément à montrer non plus, et que je vous ai tout raconté, c'est bon maintenant, hein, vous savez tout. Alors là, je vais vous laisser regarder la cinématique de départ parce qu'il se passe un truc pas mal. Et la cinématique de fin après, dès que le combat sera terminé, je vous dirai au revoir parce que il y aura la cinématique et après la musique de fin et on arrêtera comme ça. Voilà, donc je vais en profiter pour dire ce que je pense encore une fois de ce jeu de manière globale pendant que je me combattrai. Et puis ben voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on va rester en normal mais je crois qu'il est dur quand même. Donc au pire c'est pas grave, on se refera le combat. Allez, c'est parti en normal. Ah ouais, c'est pas mal. Ah oui, je veux juste rajouter pendant le chargement. Voilà, par exemple, je laisse appuyer sur L1. J'appuie sur R1 et bim. Je peux les faire comme ça, on peut s'amuser. Appuyer sur rond, comme ça, elles rebondissent. Ou carré. Rond, il y en a 3. Carré, il y en a 3 autres qui rebondissent. C'est marrant. Allez, je vous laisse regarder. さすがの俺も今のは死ぬかと思った。このフリーザ様、死にかけたんだ。クリリン、やめろフリーザー。 À chaque fois que j'entends Krilin crier comme ça de désespoir, à chaque fois j'en ai vraiment la boule au ventre, ça, tout le temps, même encore maintenant je l'ai eu, ça fait de la peine. Hein. Mais ça veut dire qu'ils ont bien réussi, vous voyez? Ça c'est un truc bien réussi. Autant des fois ils font les voix, mais ils... parfois, bon... C'est mal fait, il n'y a pas l'intention derrière, il n'y a pas l'émotion en fait. Alors que là... Pour celui-là, ils l'ont bien fait. Alors, donc, j'allais vous dire, donc voilà.
je vous ai dit à peu près donc tout ce que je pensais sur le jeu, mais je voulais vous en reparler de manière globale pendant ce combat. Voilà, donc c'est que clairement il est bien fait au niveau technique et au niveau graphisme, mais après voilà, il lui manque plein de trucs. Ils ont trop fait l'impasse en fait sur plein de petits détails qui auraient mérité d'être là. Par exemple pour l'histoire, il y a des trucs voilà, des cinématiques qu'on revoit plusieurs fois. Sauf que ça change juste au niveau des personnages, tout simplement. Et ça c'est dommage. Au niveau du contenu, enfin je sais pas, au niveau des personnages aussi, j'en mets bien plus. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les personnages, l'histoire, même au niveau des dans le menu. Un tournoi au moins un petit tournoi. Ou des trucs peut-être plus intéressants. Je sais pas. Mais voilà, on a l'impression en fait qu'il nous manque quelque chose et que ben on n'en a pas pour notre argent. Voilà. C'est ça qui est dommage. Voilà, sinon je pense que vous savez à peu près tout. Je veux dire. Vous avez écouté ce que j'ai dit normalement et vous savez mon impression. Je vois pas quoi dire de plus. Hein. Tout ce que je dois dire maintenant, c'est que je vais. Oulala, mince mochu. Oh bah je vais me la ramasser. Ouais. Et allez. Ah vous voyez, c'est à peu près pareil, à peu près. À quelques ou peut-être c'était la même. J'ai pas fait attention. Voilà, il y a d'innombrables cinématiques pour ce combat-là. Ça c'est sûr. Et si je perds, on va devoir toutes se les retaper normalement. Donc je vais essayer de faire gaffe. Même si ça me paraît pas super bien parti, mais c'est pas grave. Voilà, je vais me concentrer jusqu'à la fin. Allez, allez. Ah. En fait, voilà. Faut que j'essaie de lui passer des. Oh non, mais. J'étais fatigué, oui, parce qu'on a une jauge de fatigue aussi. Et ça, on peut pas bouger. Putain, mais là, je me fais détruire. Hein. Il faut que j'aille au corps à corps un petit peu. Même s'il se protège. Là, il faut que je fasse une attaque. Allez, voilà. Putain, mais il se protège, c'est incroyable. Non, bah, je vais crever. Allez, je vais essayer de l'avoir. Je vais essayer de l'avoir au Kamehameha, mais ça va être dur. Là, super attaque. Ah, il se protège, ce con. Ah non, ça va. À la fin, ça va. Petit. Faut que j'essaie de l'avoir comme ça, je sais, c'est. Ah non! Ouh, j'ai réussi à me. Ah putain, j'ai réussi à me téléporter. C'est pas souvent que j'y arrive. Allez, mais arrête de te protéger! C'est pas vrai. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire, il va m'avoir. Voilà. Oh non, putain, je voulais pas refaire ce combat de merde. Putain. Je crois que je vais être obligé de mettre en facile, hein. Non, allez, faut que je laisse comme ça. Si vraiment j'y arrive pas cette fois, alors je mettrai un très facile et puis. C'est bon. Mais là maintenant que j'ai plus rien de spécial à vous dire, je vais essayer de me consacrer totalement au combat. Essayer de faire des choses bien cette fois. Mais le problème, c'est qu'on va encore devoir se retaper. Là, la cinématique des débuts, c'est bon, on peut la passer. Mais là, voilà, alors il se met en pleine puissance, il va se vanter. Sinon, que dire. Moi, au niveau de l'univers de Dragon Ball Z en général, c'est vraiment voilà, un truc qui reste encore aujourd'hui. C'est bien hein, quand même. C'est la référence pour pas mal de mangas en fait. Je veux dire, c'est quand même eux, si je me trompe pas. Enfin, c'est quand même Akira Toriyama qui a introduit cet aspect de. Allez, pourquoi il veut. Il bougeait plus là. Qui a introduit en fait cet aspect de énergie ou du moins qui l'a exploité aussi bien. Et ça, quand on est gosse en général, on adore. Hein. Qui ne s'est pas amusé à faire un Kamehameha un jour, même enfin pour de faux forcément. Comme ça, avec la position vraiment. Qui n'a pas fait ça? Moi, je me souviens quand j'étais petit, avec des amis, on se créait carrément des histoires. On s'amusait à faire semblant de se transformer, d'avoir des pouvoirs, de lancer des Kamehameha, des vagues d'énergie. On s'amusait comme ça, mais. Ah, ça c'est. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il a vraiment introduit
quelque chose de révolutionnaire et qui plaît, enfin vraiment, à part, bon, il y en a vraiment qui aiment pas et je respecte, c'est normal, ça peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, c'est... Et encore aujourd'hui, c'est vraiment un aspect qui me plaît, vraiment. Putain, je me bats comme une merde. Bon, après, ouais, c'est vrai que, je veux dire, il faut savoir se repérer dans les combats, hein. Comme vous voyez, c'est vraiment le foutoir, hein. Là c'est bon, j'ai réussi. Ah non, il s'est téléporté, j'allais dire, j'ai réussi à amener mon attaque à terme. Là il m'enchaîne, je me transforme. Que j'essaie de le... Enfin pas que je le transforme. Oh tiens, j'ai réussi à le projeter sans faire exprès. Ah, que je fasse ça. Je peux essayer de l'avoir aussi en faisant ça, il y en a... Oh, encore une cinématique. J'allais vous dire, là, quand on se met en mode furie, la projection, on peut pas seulement le faire quand on fout des coups. Par exemple, on fait le Kamehameha et on bourrine L2, et vous allez voir normalement s'il se protège pas ou si ça marche. Oh là là, encore une, mais c'est pas vrai. Voilà. Il y a un aspect aussi comme ça de débloquer les cinématiques, parce qu'on les débloque pas forcément, on les voit pas toujours toutes, c'est en fonction de ce qu'on fait, comme je vous avais dit. Et c'est là aussi où on débloque, en fait, comme quand on choisissait par exemple les personnages, le soutien, on débloquait ces genres de choses en fonction des cinématiques qu'on avait débloquées. Il me semble que c'est ça. Alors, par exemple, il faudrait que j'essaye de faire un Kamehameha. Voilà, que je... Oh non, c'est lui qui me le fait. Attendez, faut que je bourrine là. Bourrine. Oh putain. Oh mais il résiste ce con. Oh je crois que... Oh non, c'est bon, j'ai cru que je l'avais contré, mais non. Ah putain. Du coup, je suis plus en furie. Oh là, je sais pas comment j'ai fait pour me téléporter. Allez, mais mets-toi. Putain, mais je suis pas à fond, c'est marrant. Oh, c'est serré là, c'est serré. Ouf. Franchement, comme je dis, ouais, faut suivre, hein, parce que je crois que le mieux c'est d'attaquer à distance. Oh, oh oui, j'étais à bout. Oh non, il a rien eu. Pourtant, j'ai l'impression qu'il n'allait pas se protéger. Putain, c'est dur, hein. Voilà, comme ça. Ensuite, je fais un Kamehameha. Oh non. Est-ce que je peux l'avoir là? Ah non, je l'ai. J'ai pas pu faire le L2. Là peut-être. Non. Allez, allez, faut que je réussisse là. Kamehameha. Ah mais non, mais comme. J'ai compris. Quand on fait l'attaque ultime, en fait, il s'enlève de sa. De sa furie. Ah. Tiens. Mais putain, il esquive ce con. Mais. C'est pas vrai. Oh non. Pas ça, pas ça. Allez. Non. Putain. J'ai jamais y arrivé. Hein. Oh, non, en plus, tout ce que ça m'enlève. Non. Et puis il vient plus fort apparemment à la fin. Oh non. C'est serré là. Eh, je sais pas si vous arrivez à suivre, mais moi je suis rien là. Oh oui, je l'ai eu. Bon allez, eh ben écoutez, tout le monde, retournez bien à vos occupations. Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu malgré que ça devait parfois n'être pas très intéressant. Et je vous dis ciao à tous! あとは勝手にしろ。
「この地球に」